Et salut à tous les amis, ici TRD, de retour dans Skyrim Dragonborn, là où on s'était arrêté. Je suis toujours avec Benor et bien sûr la chaîne Best. Allez. Alors on est parti donc pour la suite. On est en train de s'amuser dans le fort Molen avec ces saloperies de bébêtes. Là qu'on voit là. Voilà là. Ah bah toi t'es déjà vu. Il y en avait une dans un trou, oui, voilà ici. Oh, on peut encore récolter. J'aurais bien aimé récupérer ma flèche, mais... Ah! Ça, c'est œuf d'araignée. Hop là! Il y en a encore là. Là, plus loin, non? Non. Alors, bon, ben, plus tard, on vous montrera à quoi cela sert. Hein, Beno? Hey. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ouais, recule. C'est un nom bizarre. Alors, ça c'est pour récolter quoi encore? Du rubis, bon ben, tout ça on n'en a pas grande utilité. J'en ai plein à la maison. Là, on avait déjà fouillé, il me semble. Oui, c'est vide. Allez, on ressort. Il nous fallait une clé, il me semble. Voilà, il fallait une clé pour passer là-bas plus loin. Si, si, on a besoin d'une clé. Ouais, alors là, il me semble que j'ai vu un piège. Ah non, je pensais que c'était un piège, c'est une assiette. Je crois qu'il y a un trou dans le mur. Il y a un trou dans le mur. Je dois être derrière toi. Non, là, il n'y a rien. Alors, on est déjà été. Là, non. On est déjà allé là. Non. Non, on a fait les années qui étaient là dans le mur. On est descendu ici. Là, ici, il faut également une clé. Ah non, c'est dur, maître, c'est vrai. Allez, on va essayer de la crocheter, hein. Écoute. Une demi-heure tard. Ah, c'est vrai que maître, c'est beaucoup moins facile tout de suite, hein. Allez, ellipse, photo. Ouais, je crois que c'est... t'as raison, on va faire une ellipse. Et on se retrouve dès que j'ai déverrouillé la serrure. Et voilà, les amis. Après 5 avons... minutes. Ouais, après quelques minutes de... crochetage. Bon, j'espère que ça va aller le coup. Armure, altération, bon, ouais, d'accord. Oui, bon. Tout ça pour ça. Bon, ça serait bien passé. Bon, allez, on continue. Bon. On doit toujours tuer le général... Carius, quelque chose comme ça. Folcarius. Attends, hop. Voilà, Folcarius, c'est bien ça. Allez, continuons un petit peu nos pérégrinations dans ce fort. Là, c'est bien. Tout se fait bien. Ah, un coffre. Allez, hop, on va encore partir pour du crochetage. Non, bah, ellipse. Bah, j'ai connu. Non, on a assez fait d'ellipse comme ça. Oui. Voilà, y a pas besoin d'ellipse, ça y est. Oui, on prend tout. Alors, où est-ce qu'il se cache tout ça? D'accord, bon. On pouvait passer directement par là. C'est d'où tu viens? Mais quoi que c'est d'où je viens? C'est par là que t'es rentré. Ah non, je suis pas rentré par là. Ah non, regarde, c'est pour monter à l'échelle, pour remonter. Ouais. Bon, on n'est pas descendu par l'échelle, on est passé par une porte. Ben même, ça sert à rien. Hop, oh, on porte la lanterne. Pour m'éclairer dans cette aventure lugubre, je prends la lanterne. Bon, tu dirais, il y a des modes là pour
Bon. Et elle est où cette foutue clé alors? Eh ben il y en a pas. Faut que je te dise par où t'es passé. Voilà. Faut que je te dise par où t'es passé. Voilà. Il faut que tu viennes par la trouve, ouais, par Bon, faut monter par là, c'est ça que tu veux? Non! Non, faut que je retourne par là, alors. Exactement, merci. Voilà, et on est rentré de par cette porte. Voilà. Et alors, et maintenant? Eh ben, tu reviens là où il y a les araignées. D'accord, donc tu me dis que tu veux retourner là où il y a les araignées, eh bien allons-y. Voilà. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a, oui. Maintenant, tu tournes à droite. Oui, là. Oui, à gauche. Donc à gauche, pareil. Et c'est là. C'est donc ici que tout se cache. Voilà, c'est là ici que... Cherchez cercueil. Non. Voilà. Et là, c'est là. C'est le moment où tu parles aussi, ça peut marcher. J'en viendrai, et vous mourrez. Mais pourquoi tu t'en vas là si tu reviendras Pas comme ça. Eh hey, calme-toi, oui. Oh, Benoît est mort. Eh ben, mon gars, moi qui pensais que t'étais essentiel et voilà. Bon, ben, les amis, nous allons verser une larme pour Benoît et Une minute de silence. Oui, enfin, une minute, c'est un peu trop pour la vidéo. Bon, ben, tant pis. On t'aimait bien, Beno, mais... On a au moins. Non, même pas. Franchement, là, je suis un peu déçu. Ah. Comme toujours. Non. Non, là, il n'y a rien. Ouais, allez, allons par là. Bon, on va reprendre ça au laser. Et là, maintenant, il y a la clé qui est là. Journal d'Idori. Bon, les amis, vous connaissez le principe, hein. Faites pause sur la vidéo. Voilà, vous faites pause quand vous avez envie de lire. Et si vous n'avez pas envie, vous passez. Exactement. Voilà, moi je prends le journal. Sacoche apothicaire, on a ça. Outil d'abonnement, non, dans le sac. La clé. Ah, clé de formolène, là voilà. J'avais dit, hein. Ah, j'ai pris la tunique, bon, enfin bon, c'est pas grave. J'avais dit qu'elle était là. Ouais, tu avais raison. La chaîne B, ça avait raison, la clé était là. Là, il y a un coffre. Pouce bleu. Non, je déconne, c'est vous. Non, je déconne. Bon, alors on va prendre toutes les potions tant qu'on y est. Épée des draps de suppression. Ouais, pourquoi pas. Allez, viens ici. Ouais, c'est quand même formidable qu'avec toutes les armures que je lui avais données et l'arme qu'il avait, que notre pauvre Benoît a succombé. Hein. Voilà, c'est parce qu'il en avait marre de toi. Tu penses qu'il en avait marre de moi? Bon. Bon, allez. Finissons-en avec ce fameux général Carius, là. Enfin, je suppose que c'est ici pour l'affronter. Général, où êtes-vous? Voilà. Ah, mais il est là-bas, non? Attends, on va voir si c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui? Ouais. Non, c'était lui. Bon. T'es quoi? Youhou! Boum, voilà, en pleine tête. Headshot. Ah, y'en a encore un autre? Ah, bah voilà. Mais vous êtes combien comme ça le... C'est une équipe de foot ou quoi? Allez, hop là! Arrêtez de me chercher, je suis là! Bon, ouais, bah vite fait, bien fait, quoi. Hein. Pauvre Benoît!
Et donc là, c'est la porte par où on est censé sortir et qui. Voilà. D'accord, ok. Oh bah, t'as plus qu'à aller fouiller. Ouais, je vais aller le fouiller. Déjà, le tas de centre. Bon, pour ça. Il y avait un autre, ah bah oui, ils étaient tous là, tous au même endroit déjà. Je les ai tous réunis. Voilà, désolé. Bon, ouais, bah c'est bon. Ah, un coffre. Et des potions. Hop, hop. Toujours bien est-il. Le balafre a déjà pris. Histoire de Drosira. On reprend toujours. Les enfants du ciel. Allez, hop, in the pocket. Chant du retour au volume 7 dans la poche. Petite réunion, nouvelle ménage déjà. La grande guerre, 14-18. Tu vois qu'il parle de 14-18? Je pense pas. Hein. Alors là, cherchez coffre. Hop là. Ronde de cuivre ornée d'un rubis, je prends. Bon, allez, hop, le kit, je prends tout. Bon, alors, fameux général machin. Là. Voilà, que les formolaines, ben c'est bien, mais je l'ai, ça, maintenant. Je fais la flèche, et gourdin du champion. Ouais, il a pas l'air, franchement, la gueule d'un gourdin, enfin. Bon, ben, merci beaucoup. Et c'est plus que ton sabre laser ou pas? Je sais pas si t'as plus que mon sabre laser, mais je garde mon sabre laser. Et là, bon. 252 dégâts. Ah, merde. Bon, bah, tant pis. Moi, j'ai quand même pris, mais bon. Allez, hop. On va ressortir, bon, ben. C'est terminé la quête? Non. Ah, il faut retourner voir le capitaine Velette, bien sûr. Allez, hop. Ah voilà, donc on est sorti de ce fort, qui sera maintenant le tombeau de Benor. Dommage. Bon, ben, les amis, c'est que quelque part, il n'était pas digne d'être dans mes compagnons. Alors, le capitaine Velette qu'on doit maintenant aller... On va voir, là. Alors, on va mettre la carte. Donc, on est là. Hop. Corbrock. Eh bien, allez, c'est parti. Direction Corbrock. Voilà, donc, on est arrivé à Corbrock. Et comme la chaîne Bess me le précisait, j'ai un niveau à monter. Yeah. Alors, magie, machin... Bah oui, magie, comme ça. On se rapproche à peu près du truc de vigueur. Plus ou moins la chose. Santé à 1000. Bon. Non, j'ai pas besoin de ça. Dans quoi je vais la placer? Ah, dans l'éloquence, tiens. Éloquence. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'éloquence? Charme. Le prix moins cher avec personne de l'autre sexe. Moins. Voilà la tire. Bof, crochetage, je suis déjà à 100. Même si j'ai rien mis. Ah, furtivité, qu'est-ce qu'il nous reste? L'âme de l'assassin, donc attaque furtive, de dac, oui, non. Silence, marcher courir n'affecte pas la détection. Et mais ça, j'ai un sort pour ça, j'ai... Ça me sert pas à grand-chose. Tu peux avoir le dernier qui est plutôt pratique, furtivité. Ouais, le dernier est pratique, mais... Je vais voir un peu dans l'archerie ici, qu'est-ce que je peux avoir. J'utilise beaucoup l'arc. C'est critique, et là. Flèche stabilisante. Mouais. Et à deux mains. Bon, à deux mains, c'est bon. Ah, dans les parades ou l'armure, peut-être. Bon. Augmenter la valeur de l'armure, pourquoi pas. Ouais. Allez, hop. Go. Voilà. Et voilà, c'est le Josephette. Bon, allons voir ce capitaine, maintenant. Ouh, capitaine! Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir ouvert les mines d'ébonite. Ouais, d'accord, mais tu me l'as déjà dit. Je sais. Ah, le voilà. Coucou. Quelle nouvelle apportez-vous de Formolaine? Bah, j'ai tué le général, déjà. Qu'il était devenu mort-vivant. Sinon, comment aurait-il pu survivre pendant plus de 200 ans? Ah, non, évidemment. Les exploits du général Carius sont comptés dans de nombreuses histoires. Ouais, vraiment. Même lui qui a fondé Corbrock. Ah ouais, et c'est pour ça qu'il voulait le détruire.
Ben voilà. Morvain m'a demandé de vous donner ceci si vous reveniez en un seul morceau. Et si vous nous débarrassiez du général Carius. C'est beaucoup plus que la paye d'un soldat. Pensez à le remercier. Ouais, ouais. Combien, 1000 pièces d'or? Bon. Allez-vous, vous donne-moi. Excuse de vous déranger, mais le vice-conseiller Arano m'a envoyé vous chercher. Une affaire urgente, apparemment. Ah ouais. C'est toujours urgent avec lui. Hein. Bon, est-ce que... Voilà. Mais simplement que je vous trouve et que je vous envoie à lui. Ah ouais. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est important. Encore plus important que d'éliminer les engeances des cendres. Ah bon ? Allez voir le vice-conseiller. Fallait me demander ça de le faire avant, alors. Oui. Merci d'avoir pris la peine de venir ici. Un plat qui se mange, je crois. Je vous en demander plus après tout ce que vous avez fait pour Corberock. Mais je crains pour la vie du conseiller Morvain. Ben t'en vas pas, explique-moi ce que tu veux, alors. Hé, hey, oh ! Sa tête a été mise à prix par la famille Ulen de la maison Lalu, une grande maison rivale. Ouais, d'accord, très bien. Allez, pourquoi est-ce qu'ils sont morts ? Disons simplement qu'ils veulent venger l'exécution de l'un des leurs. Exécution ordonnée par le conseiller Morvain lui-même. Ah, c'est un retour de bâton, alors. Je sais que je n'ai pas de preuves concrètes qu'un Lalu se cache en notre sein. Je n'ai que des soupçons. En notre sein, t'as des seins, toi ? Alors, bon. Allez. Peut-être, mais elles ne sont certainement pas appréciées à leur juste valeur. Le conseiller Morvain pense que je suis paranoïaque. Je ne peux pas arriver là. D'accord. C'est exact. Mes sources m'ont informé que des éléments du clan d'Ulen, la maison Lalu, pourrait être à Corberock en ce moment même. Allez, pourquoi t'as rien fait alors ? Petit village, il est difficile d'y faire quoi que ce soit en secret. Ah, ouais, comme dans tous les villages. La maison Lalu parmi nous, ils seront au courant de mes moindres faits et gestes. Et c'est là que j'interviens. J'avais le sentiment que vous accepteriez de m'écouter. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, vous devez être mes yeux et mes oreilles. Fouillez Corberock pour débusquer ces traîtres. Je vous suggère de commencer par parler à Geldis Sadri à la taverne du Netchemeshe. S'il vous donne des pistes, vérifiez-les avant de m'en parler. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Ok, d'accord. On va aller parler à celui-là. Bon, allez. Ciao. Ne vous inquiétez pas. Non, non. Faire confiance à Geldis. Il est des nôtres depuis longtemps. Ouais, ouais, d'accord. Ça va, j'ai compris. On va aller voir ce mec-là à la taverne. Qui normalement se trouve là, voilà, c'est bien ça. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Hein, les amis, aujourd'hui nous allons nous laisser là. On ira rendre rendez-vous, rendre visite à ce fameux Geldris dans l'épisode suivant. C'était RD dans Dragonborn. Sans Benor maintenant, qui vu qu'il est décédé, perd son âme, mais toujours en présence de la chaîne Best. Et... à la prochaine les amis, ciao ciao, peace, portez-vous bien.